Mesdames et messieurs, aujourd'hui, abordons dans notre série A que j'aime de cuisiner un sujet capital, voire nécessaire, comment réussir de bonnes frites. Grâce à mon assistant, nous allons vous démontrer que la sauce est facile, voire aisée. Tout d'abord, vous prenez un couteau et une pomme de terre, voire plusieurs. Prenez un couteau, pas trop grand, pas trop petit, pas trop compliqué, un couteau normal. Veillez toutefois à ce que ce couteau ne soit pas trop peu coupant, ni trop coupant. C'est moi qui l'ai fait. Hein. Avant la découpe proprement dite, assurez-vous que la pomme de terre est bien morte. Passons à la deuxième phase. La découpe proprement dite. Pour cette découpe, ne soyez pas trop décontracté, ni trop sûr de vous. Ni trop nerveux. Soyez normal. Si, cependant, c'est possible. Coupez-la normalement. Mais après l'avoir épluché. Découpez avec précision. Ah, précision. Avec soin. Avec délicatesse.
avec amour. Avec envie. Non. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'il existe aussi, pour vous aider, une machine à découper. Une machine à découper. Sur la table, la machine à découper. C'est comme ça. À ce stade, faire préchauffer la frite. Non. Pas avec votre briquet, mais en poussant sur le petit bouton à gauche. Le petit bouton à gauche. À gauche. Ou à droite, peut-être, je sais pas, alors. Attendez que le bouton soit vert. Si, après 15 minutes, le bouton n'est pas vert, c'est que vous avez oublié de mettre la prise de courant. Non. Oh oui. Attends, comme ça, là. Si le bouton est rouge, appelez les pompiers. Pompiers. Non. Pompiers. Non. Pompiers. Non. Il s'agissait d'une blague. Prenez le panier fermement. Sans jouer avec celui-ci. Et plongez-le dans l'huile pouillante. Pouillante? Oui, très pouillante. Oh! Ensuite, toute dernière opération, plonger les frites dans l'huile bouillante. Plonger les frites dans l'huile bouillante. One time the river, one time the hiba. One time the river, one time hiba, plouf. Non.